Salut les amis, c'est SupraTan3910. On se retrouve sur Ghost Breakpoint pour une petite vidéo. Ouais, j'accepte les cookies. Alors, on est sur la feuille de route de Ghost de Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. La feuille de route qui a été faite le 9 avril et on est le 14. C'est pas grave, je suis à la bourre, je sais, ma faute. Je suis un petit peu occupé parce que j'ai quelques petits trucs à régler, quelques petits problèmes à régler aussi, donc c'est compliqué. Alors, salut les gosses, comme indiqué dans la mise à jour, nous aurons le plaisir de vous proposer du contenu gratuit pour Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint pendant l'année 2021. Nous voulons continuer à étoffer ce que nous avons créé ensemble depuis la sortie du jeu avec le plus d'éléments personnalisables. De progression, de rejet, bien bref, pour rejouer, etc. En outre, nous allons continuer à améliorer la qualité de tech et la technique du jeu. Nous intégrons ce contenu au jeu live par le biais de deux grandes mises à jour. Alors, mise à jour 4.0, actualisation des coéquipiers. Nous avons. Ah putain, on peut pas zoomer. Putain, je suis un peu loin de la play. Je suis un peu loin de la télé, moi. Je vais me rapprocher. Donc, nous avons été ravis de vos réactions à l'arrivée des coéquipiers IA. Ouais, bon, coéquipiers IA. Alors, pour les coéquipiers IA, certes, c'est bien de les avoir. Il n'y a aucun problème. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, ils sont cons comme des manches à balai. Nous allons continuer. Donc, cette mise à jour, dans ce accès, nous avons. On s'en fout d'annoncer que la capacité va être étendue comme vous l'avez demandé. Oui, parce que bon. T'es obligé de jouer Rambo en fin de compte avec l'IA là, à l'heure actuelle. Certes, il te couvre. Mais généralement, c'est toi qui flingues tout le monde. Moi, j'ai ça, j'ai rien. Alors, améliorer vos copains, les fonctions demandées pour la communauté. Découvrir une nouvelle progression d'XP pour votre escouade IA. Débloquer de nouvelles aptitudes et compétences passives en jouant un historique. Des quêtes dédiées sera également disponible pour expérimenter les nouvelles fonctionnalités d'escouade IA. Tout en vous offrant de sympathiques récompenses exclusives. Ok. Sortie, créneau de sortie, fin du printemps. Donc la fin du printemps, je sais pas, j'ai pas de calendrier sous le nez, mais bon, hein, voilà. Après, il va y avoir une mise à jour 4.1. Les intels sur cette opération sont classés top secrète. Les gosses n'ont pas été en mesure d'y accéder. Les détails de mission seront communiqués dans le courant de l'année. Il semble s'agir d'une grande opération à ce jour. Créneau automne. Donc. Bon, là pour le moment, on n'a pas grand chose. Message à l'équipe de Ghost. Nanana. Attends, oh, ça on s'en fout. Donc, il va y avoir un truc. Faut que je revienne sur mon téléphone. Du coup, faut que je me recule de la télé. C'est assez space dans ma chambre. Vous verrez ma tronche sans déconner. Vous vous vendrez bien la gueule. Donc, il va y avoir une expérience, mon Ludapt, comme ce que je viens de vous lire, hein, bien évidemment, fin printemps, automne, il va y avoir encore une opération en automne, c'est confidentiel, on n'a pas accès, et il va y avoir aussi, d'après ce que j'ai compris, un événement avec Tomb Raider, c'est marqué Treasure Hunt Easter Egg, sur Tomb Raider, parce que bon, on sait que dans Ghost Recon Breakpoint, on a beaucoup de choses intéressantes de cacher dans le jeu, hein, ça vous le savez. Je sais pas si vous avez sorti la vidéo ou pas, je sais plus. Bon, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, déjà on a ça. Après, je voulais vous dire aussi que je suis content d'avoir fait cette petite chaîne YouTube, même si je râle énormément. Parce que bon, il y a beaucoup de choses que je vois. Il y en a qui râlent pour les bugs, il y en a qui machinent, mais bon, dans un jeu, dans l'ensemble, un jeu quand il sort, c'est pas possible. Enfin. Tu peux pas avoir un jeu à 100% non buggé. C'est impossible d'avoir un jeu non buggé. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais le truc que je voulais dire, je voulais rajouter un truc. Oui, d'ailleurs, vous voyez,
Hein, vous voyez, je vais vous montrer, je vais pas vous mentir. Hein, j'ai un peu plus sur Ghost Recon Breakpoint, j'ai un peu plus de 318 heures de jeu. Hein, vous le voyez ici, hein, 318 heures de jeu. Donc voilà, j'ai pas mal exploré. Bon, il me reste encore des trucs à voir, encore à voir. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à voir dans le jeu. Et moi, je vous conseille, même si vous faites pas, parce que moi, je veux partir sur l'île, sur Golem Island, faire les titans, me retrouver avec des mecs qui râlent parce que. Voilà, t'écoutes pas ce qu'ils disent et te faire insulter. Non, merci. Donc, je préfère. Et même les pour jouer à Ghost War, c'est pas mon truc. C'est pas le. Pour moi, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Donc. Oh, classe. Oh, y a Jagger. Classe. Attends, si. Donc, voilà, il y avait. Je voulais un petit peu. Je voulais un petit peu vous dire ça. Donc, il va y avoir d'autres choses hein, que je vais vous. Tête, costume, tatouage. Ah, les tatouages. Il y a toujours des tatouages classe, sans déconner, dans Ghost. Non, sans façon, pas celui-là. Combat tactique, ok. Faudrait que j'en reprenne un peu de thune là de Ghost parce que t'as toujours il y a toujours eu des émoticônes costume Twitch Zofia Termite Mozi non je m'en fous de oh il y a pas oh putain pas Ibana attends Ibana ah oui. Bah, on a même pas. Ouais, Twitch. Ok, je veux bien. J'hygiène. Il y a même pas. Bon, ils vont peut-être le rajouter, je sais pas. Équipement de corps. Oh là là. Oh, celui-là, il est classe. Échelon 3. Mais non, oui, non, c'est vrai que. Voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo. Oh putain, le t-shirt du Terminator. Ah merde, il y a le gilet devant. Fait chier. Hermétique. Ah oui, je l'avais pris celui-là. Je l'avais bien aimé. Mais voilà, je voulais vous faire ça pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a et vous faire surtout aussi de vous faire une petite vidéo parce que ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo et c'est un peu la merde parce que j'ai quelques petits problèmes techniques avec ma connexion. Donc c'est assez compliqué. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine!